Vladimir Poutine va-t-il être une nouvelle fois papa? Si est-il en tout cas la folle rumeur relayée par de nombreux médias, dont The Sun qui a même révélé que le président russe n'aurait pas été heureux d'apprendre cet événement. Renfermé sur lui-même, il aurait même fait éclater sa colère alors qu'il se préparait au défilé du jour de la victoire sur la place Rouge, ce lundi 9 mai. La chaîne d'information russe générale SVR Telegram a même précisé, Poutine a découvert que sa maîtresse était encore enceinte, et à première vue, ce n'était pas prévu. Il faut dire qu'entre les deux, aucune relation officielle n'a été revendiquée. Pourtant, de nombreux indices portent à croire que Vladimir Poutine serait bel et bien en couple avec Alina Kabaeva. En effet, la jeune femme aurait été aperçue sur le yacht le Scheherazade qui appartiendrait au président russe. Guiorgui Alburov, proche d'Alexei Navalny, opposant de Poutine emprisonné, a fait de nombreuses confidences à Paris Match à ce sujet. Et selon lui, ce yacht appartient bel et bien au président russe. Dans une vidéo, il démontre que les membres de l'équipage appartenant au SO, le service de protection fédérale de Vladimir Poutine, étaient bel et bien présents sur le bateau. Vladimir Poutine, qui sont ses enfants? D'après de nombreuses rumeurs, Alina Kabaeva aurait eu trois enfants avec le dirigeant, deux fils et une fille. Avec son ancienne épouse, Lyudmila Alexandrovna Shkrebeneva, il aurait eu deux filles, Maria, née en 1985 et Ekaterina, née un an plus tard, qui ne porte d'ailleurs pas son nom. Je ne discute jamais de questions liées à ma famille. Ils ne sont pas impliqués dans les affaires ou la politique. Cette question est essentielle, elle évite les éventuelles pressions politiques, avait-il indiqué lors d'une conférence de presse. Le mystère reste donc entier. Loading widget.